changement de décor, toujours la forêt. Quelque part, ça ne change pas, mais au milieu de la forêt, une haute tour. En haut de la tour, une petite chambre. Dans la chambre, de nouveau une personne malade, alitée depuis longtemps, très longtemps, très longtemps. De nouveau, une jeune femme qui s'en occupe de cette personne malade. Elle donne tout, elle aussi, elle donne tout, mais tout pour cette personne. Elle donne de son cœur, elle donne de son énergie, elle va chercher à manger, elle va ouvrir grand la fenêtre, elle va laisser rentrer le chant des oiseaux, la lumière du soleil, elle va chercher tout pour la personne malade. Et la personne malade ne veut pas guérir. La personne malade est de plus en plus malade. C'est dur, c'est à cause de moi, c'est dur. Je ne peux pas rester ici. Il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille voir. Il faut que je vive ma vie. Il faut que je sois joyeuse. Et là, dehors, il y a quelqu'un d'autre. Tu viens avec moi, on va ensemble dans la vie. On essaye d'être bien, on va être bien. Viens. Ça m'aide quand tu viens avec moi. Ça m'aide quand je peux t'aider. Et là, leur quête les mène à une grande quantité d'eau, un lac. À un moment donné, cette personne qui accompagne, qui est là, veut rentrer dans le lac. Veut rentrer dans le lac, veut y rester. Et là, non. Et là, la personne est trop triste. Non, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas. Je suis pas. Comment je fais pour vivre pour moi? Comment je vais? Et alors, en marchant, en levant le regard, la belle jeune femme trouve dans un arbre, croise le regard d'une grande chouette, une chouette avec des yeux très bienveillants, qui la regardent, qui disent « Si tu veux, je te montre. Si tu veux, je te montre comment la vie et la mort, comment la mort et la vie. Si tu veux, je te montre l'aspect sacré de la mort. Et donc de la vie. Si tu veux voir, viens avec moi. Faut que je te mène loin. La jeune femme est d'accord. La chouette descend de l'arbre, la jeune femme monte sur le dos de la chouette et puis elle se laisse porter. Elle se laisse transporter. Et puis, la chouette l'amène à un endroit où elle peut se souvenir. La chouette l'amène à un endroit où on prépare des personnes à mourir. Où préparer des personnes à mourir est un acte sacré. Est un acte, un don de soi, un art. Où toucher le linceul de soie blanc est un rituel sacré. Où il faut être initié pour pouvoir le faire. Ou préparer quelqu'un qui meurt pour le grand voyage est une manière de l'aider à que son âme retrouve la liberté. Il faut être pleinement vivant pour faire ça, en lien avec l'amour du cœur. Et tout ça, les images auxquelles elle a accès grâce à la chouette allègent le cœur. Son cœur est de plus en plus léger. Et puis, elle peut ressentir dans son cœur que la vie est la mort, que la mort est la vie. Au-delà de la mort et la vie, il y a toujours eu la liberté. Et elle est allée
dans sa vie à elle, en dansant dans la forêt.